Hello la communauté FitNZen, ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis toujours en compagnie de Céline, mon acolyte FitNZen. Ça va Céline ? Oui, super Fred. Bon, dis-moi Céline, avant de parler de la grande annonce, et Dieu sait si elle est énorme cette annonce auprès de la communauté, il est important de requalifier ce que c'est que l'esprit FitNZen. Donc l'esprit FitNZen, c'est d'améliorer le bien-être et la qualité de vie sur le département. Alors comment on fait ça Céline ? Eh bien, on met en lumière des acteurs locaux qui œuvrent justement dans ces thématiques. Voilà, exactement. Et donc, on les a mis en lumière dans nos salons et aussi au travers des magazines. Et on vient de sortir justement la 4e édition du magazine. Qu'est-ce que c'est que le bien-être ? Eh bien, le bien-être, c'est la santé, la nutrition, le développement personnel et spirituel. Et la qualité de vie, c'est ? C'est le sport, l'aventure et le tourisme. Voilà. Donc, vous en savez plus, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans dans la communauté FitNZen ? Eh bien, de grandes réussites. C'est plus de 4500 visiteurs, plus de 120 stands et également plein de conférences et ateliers. Il paraît qu'il y a une superbe ambiance. C'est pas moi qui le dis, c'est nos visiteurs et nos exposants. Mais c'est pas il paraît, c'est une certitude. Bon, on a quand même une grande nouvelle à annoncer à la communauté. Quelle est-elle ? Face à ce succès des deux précédentes éditions, FitNZen déménage du Palais des Congrès, ici même au Parc des Expositions. Mais c'est pas tout. Deuxième grande nouvelle, c'est qu'on va déménager ici et surtout pendant la foire exposition avec ses plus de 20 000 visiteurs. Le salon FitNZen va se tenir en même temps que la foire exposition, mais dans sa halle de plus de 2300 m². Mais Fred, c'est quoi alors l'intérêt pour la communauté et les exposants FitNZen ? Tu veux savoir vraiment ? Eh bien, suis-moi, tu vas le comprendre en rentrant dans la halle. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh ! Et là, je vois les trucs dingues. Je vois de l'acrobranche. Je vois de la tyrolienne. Je vois... Qui passe comme ça à travers le salon. Voilà. Bon, moi, j'ai plein d'idées. Donc, si vous en avez encore plus folle que moi, n'hésitez pas à nous solliciter. Vraiment, il faut que ce soit magique. Unique et magique. Vous êtes un acteur du sport et de l'aventure sur le département. Vous avez des idées les plus loufoques possibles, mais pour faire vivre des expériences uniques à des visiteurs, eh bien sollicitez-nous, vous aurez dans la description de cette vidéo toutes nos coordonnées pour nous appeler et nous dire voilà ce que je veux faire de plus incroyable. Ben merci pour votre écoute, merci Céline. Merci Fred, à bientôt. C'est toujours un plaisir de faire une vidéo avec toi. À très vite.